La vie est comme un souffle. Elle a une heure exacte pour commencer, une heure exacte pour terminer. Hector et Stéphanie se sont mariés. Ils se sont beaucoup préparés pour cette fête si spéciale. Mais malheureusement, 2 jours après leur mariage, ils ont subi un très grave accident. Lors de leur lune de miel, un accident de voiture dans une autoroute au Brésil a mis fin à leur temps de vie ici sur Terre. Mais pour être si jeune, s'attendait-il à un tel fin? Tout cela parce que la mort n'avertit pas, y arrive à n'importe qui. En Italie, un fort tremblement de terre secoua le centre du pays, laissant des dizaines de victimes et beaucoup de disparus. Au total, 291 personnes ont perdu la vie à cause de ce tremblement de terre. Lors de funérailles de masse, les parents s'approchèrent au tombeau de leurs enfants et disent adieu. Les plus âgés essayaient de comprendre comment leur vie s'était finie avant le temps. La vie dans ce monde est passagère, tel qu'un nuage qui passe, comme l'ombre qui disparaît, comme la fleur qui fane puis meurt. La mort de 4 personnes dans une résidence de luxe émouvoit tout un pays. Les résidents du secteur étaient gênés à cause du crime que se déroulait au 18e étage de l'immeuble. D'après la police, le principal suspect, Nabour Coutinho, de 42 ans, a poignardé sa femme de 48. Ensuite, il jeta les enfants par la fenêtre, après avoir cassé la barrière de protection aux alentours et se suicida. Ainsi est notre vie. Elle aurait pu se terminer hier, ou bien aujourd'hui, demain ou après-demain. Et quand cela arrive, le temps que vous aviez sur Terre se terminera. Quelle destination aura votre âme? Où passera-t-elle l'éternité? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6:8.